Ta voiture est là. J'arrive. Et je serai à la maison pour 11h30, promis. Mais si t'es pas là, minuit moins le quart, je téléphone à la police. Bonsoir. Hey, tu les salues tous de ma part. Tu veux vraiment pas venir? On se retrouve chez Luc après. Non, merci, je te jure. Non? D'accord. Bonne soirée. Merci. Et sois sage, hein? Oui, oui. Au revoir. Salut. Et amuse-toi. C'est sûr. Je marque exactement de la même façon chaque fois à l'entraînement. Et puis quoi encore? Je te jure, le coach veut même que je joue lors de la finale. Et pourquoi les filles aiment le basketball d'abord? Ouais, les gars alors, hein? Pour la même raison qu'ils font n'importe quel autre sport pour attirer les filles. Oh, plus de sérieux. La deuxième période est déjà en cours. Dépêche, Alex. Ah ouais, même toi, tu fumeras à l'intérieur. Je suis en probation, je vous le rappelle. Attendez. Voilà, au milieu. Y a pas de place, t'es aveugle ou quoi? Il y en aura pour nous. Attention, t'as le directeur qui sera bien. Bonsoir, messieurs. Est-ce que vous pensez remporter la coupe de la compétition de lutte ce week-end? Soyez-en sûr. On m'a parlé du discours que vous avez fait la semaine dernière au Nouveau. Je tiens à vous dire que nous sommes fiers de vous. Et c'est gentil, monsieur Knight. La meilleure façon de tenir les jeunes loin des drogues, c'est de leur parler de ce que j'ai vécu. Mes copains et moi, on voudrait s'asseoir là. Mais on est déjà serrés comme des sardines. Je t'en prie, faites un effort. Poussez-vous un peu. Pardon. Serrez-vous, d'accord? Ils ont marqué ou quoi? On a 4 points d'avance. Alors, qui va se pointer à la petite fête de ce soir? Oh, ce sera la clique que tu connais, c'est juste une petite foire. Ah, quand la grande foire. Qu'est-ce que tu dis, toi? Il y a une fête chez Luc Larson, il paraît, les gars. Ah, c'est nul, en général. Ah, je t'ai mis de la bière avant. Hein. Attention. Ah, ouais. Allez, cuis sec, pipe. Oh, tu veux me tuer? J'y vais, attention. Igloo, 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 igloo. Wow, c'est bon. Là, c'est à ton tour. Ah, non, t'arrives à faire la rentrée dedans. Juste pour toi. Hein, tu vas voir. Regarde. Oh, 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 oh. Oui, je pense bien que je serai en retard. Je cherche encore une voiture. Tu veux que je passe te prendre? Non, ça ira, je vais en trouver une. Mais je peux être là dans 20 minutes. Écoute, je te rappelle. Je mettrai des vêtements jeunes, j'aurai l'air de ton petit frère, non? À plus tard, d'accord. Lisa, il est déjà très tard, il faut que je rentre tout de suite. J'attends encore qu'il m'invite à sortir. Je peux te raccompagner, moi? Non, ça ira. Elle et toi, vous êtes voisins quasiment. Ouais, aucun problème. Pourquoi tu refuses qu'il te raccompagne? C'est un inconnu, ce type. Non, il s'appelle Alex et il est tout ce dont une fille rêve à Chester. Je vais y aller à ta place si tu veux. Carrie, est-ce que tu connais Alex Kelly? Non. Salut. Salut. Alex, je t'assure, ça va aller, je sais que je vais trouver quelqu'un. C'est que vers 11h30, elle se transforme en citrouille, alors. Écoute, ça m'ennuie pas, je te jure. Je te raccompagne et je reviens après. Tu vois, Carrie, quand t'auras 17 ans, t'auras plus problème. Oui, en supposant que tu saches conduire, bien sûr. Mais y a pas le fou. Non, y a ses parents. Ah, d'accord. Ok. C'est gentil. Ouais, je allez, salut. Demain. Elle est juste là. C'est la tienne? Non, elle est aux parents de ma copine. Ils sont en vacances en Floride, ils me laissent la conduire. Oh, c'est vraiment gentil de leur part.
que tu fais? Bah allez, je t'en prie. Non, je veux seulement rentrer chez moi, s'il te plaît, d'accord? D'accord. Oh, attends, c'est ma maison, on vient de la passer. Ouais, je vais faire demi-tour, là. Non, écoute, laisse-moi sortir, je vais marcher. Non, ça va, je te dis, je vais faire demi-tour. Avec moi, sinon je te tue. Allez, au secours! Passe en arrière, passe à l'arrière. Déshabille-toi. Qu'est-ce que t'attends? Déshabille-toi. Ce sera pas trop dur si tu fais comme je te dis. J'en sais rien. C'est venu comme ça, d'un coup. Si tu racontes ce qui s'est passé, je recommencerai. Et je te tuerai ensuite. Qu'est-ce qui va pas? Rien. Je me suis disputée avec une fille de l'école. J'ai pas envie d'en parler. Salut. Tiens, salut. Bière et remède antidouleur. Je te jure que c'est dur à battre. Comment tu te sens? Oh ben, on survit. Soir, chérie. Et ce match, c'était comment? Ah, on a gagné. Je suis contente. T'as fait quelque chose d'intéressant sortant de là. Rien de spécial. Est-ce que tu veux que je t'aide à monter? Ouais. C'est bon. Appuie-toi comme il faut. Attends, tu me tiens? Si tu montes, éteins, d'accord? Alors, dis-moi ce que j'ai manqué. Oh mon Dieu! Carrie? Mon Dieu! Carrie, qu'est-ce qu'il y a? Je veux pas! Je veux pas! Carrie? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit qu'il me tuerait! Quoi? Qui a dit ça? Carrie? Si je le disais, Carrie! Mon Dieu, Seigneur! Carrie! Approche. Allez, tu crains rien. Tu crains rien, c'est moi, Carrie. C'est moi, ta sœur, tu es à la maison. Tu n'as plus rien à craindre, tu m'entends, Carrie? Oh mon Dieu! Carrie, maintenant, je t'en prie. Je veux que tu me dises ce qui s'est passé. Carrie, dis-moi ce qui s'est passé. Il m'a violée. Qui ça? Qui? Alex Kelly. Quoi? Alex Kelly. Mais il faut que tu le dises à personne. Faut même pas le dire à papa et maman. Je t'en supplie, t'entends? Faut rien dire. D'accord. Tu me le promets? D'accord, je te le promets. Je te le promets. Seigneur.
aller te couler un bon bain chaud, d'accord? Ça va te faire du bien, ça te fera du bien. D'accord. Ah! Quoi? Mon dos, mon dos. Attends. Oh, Carrie. Attends, on va enlever ton pantalon. Quoi? Oh, Seigneur. Oh, Carrie. Attends, je reviens tout de suite. Je sais vraiment pas quoi faire, Andrew. Papa et maman sont où? Ils sont en haut. Ils ne savent rien du tout. Elle ne veut pas leur dire. Je sais, mais elle ne veut pas que je leur en parle. Alex a menacé de la tuer, elle est morte de trouille. Ashley, qui est-ce? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est Andrew. Parle-lui, je t'en prie. Vraiment, je suis navrée. Est-ce que ça va? Non. Ça a été si affreux, Andrew. C'était affreux. Mais il faut le dire à papa et maman, Carrie. Je peux pas. C'est hors de question, ça. D'accord. Dans ce cas-là, si tu veux, je leur dirai, moi. D'accord. Oh, non. Allô? Est-ce que c'est Joe Kelly, le père de Alex? Alex, je viens d'avoir le père de Carrie Roberts au téléphone. Elle lui a dit que tu l'aurais violé. C'est vrai? Quoi? Attends, là, tu rigoles. Et c'est ridicule. Je la connais même pas. Je te jure. Allô? Oui, j'ai discuté avec Alex et il nie tout. Et Carrie, ça va? Pas vraiment. Alors, que comptez-vous faire? Eh bien, pour l'instant, je ne suis pas trop sûr. Carrie est complètement terrorisée parce que, selon elle, Alex aurait menacé de la tuer. On essaie de la convaincre de voir un médecin et de s'adresser à la police. Je vois. Tant pis, alors. Ouais. Tant pis, oui. Joe? De quoi est-ce que tu parlais? Mark Roberts soutient que Alex aurait raccompagné sa fille à la maison hier soir. Et l'aurait violée. Alex me dit que c'est faux. Tu dormais. Oh, mon Dieu! C'est qui, sa fille? Carrie? C'est tout juste si Alex sait qui c'est. Elle n'est jamais montée dans la voiture. Cela dit, avoue que c'est énorme, ça, comme mensonge. Oui, ça, c'est certain. Mais alors, est-ce qu'il se pourrait qu'elle puisse être amoureuse de toi? Ça ne m'étonnerait pas. Elle ne serait certainement pas la première. Chérie, il faut qu'on t'emmène voir un médecin. Non. Écoute, j'en ai aucune envie, d'accord? Je comprends. Mais il se pourrait qu'il t'ait fait du tort à l'intérieur. Et tous ces bleus que tu as... Je veux rien savoir du docteur Anderson. Non. Non, il faut que tu vois un gynécologue. Lequel? Docteur Reston est très gentil. Oh, non! Tu préférerais voir une femme?
Je suis fatiguée, d'accord? Le docteur a dit qu'elle avait de graves blessures à la région génitale. Multiple déchirures et ecchymose. À ce que je vois, il y a été assez sauvagement. C'est juste que Carrie est une fille tellement vivante et heureuse. J'ai peur des effets que tout cela aura sur elle. Tu te sens un peu mieux? Je sais que tout ça est très difficile, mais il reste presque rien. Il faudrait juste que vous me donniez... Pas parler. Si, vous avez pris la bonne décision. Maintenant, si vous portez plainte en bonne et due forme, nous pourrons l'interpeller. Ça, c'est hors de question. Il a dit qu'il allait me tuer. Vous savez qu'il vit à côté de chez nous. Carrie, il sera neutralisé si on peut l'emprisonner. Je sais, mais j'ai la trouille. Je suis désolée, je pourrais pas. Prenez quelques jours pour réfléchir à tout ça, Mademoiselle Roberts. Et quand vous serez prête, si vous le voulez, revenez me voir et vous signerez une plainte officielle, d'accord? Bruce, quelle humaine sur la une. Allô? Parler l'autre jour d'une fille de 16 ans qui disait avoir été violée par Alex Kelly. Ouais, Carrie Roberts. Alors, elle va porter plainte ou quoi? Non, mais on a une autre fille qui prétend qu'il lui a fait la même chose hier soir. C'est ma faute. Mais non, Carrie, tu n'as rien à y voir. Mais j'aurais réussi à l'empêcher si j'avais signé cette plainte. Chérie, ni toi ni personne ne pouvait prévoir ça. Non. Mais il faut que je l'empêche de refaire ça. Bonjour, Carrie. Je veux porter plainte pour viol contre Alex Kelly. Je suis prête. Bonjour. Entrez. Assieds-toi. Tenez. Merci, c'est gentil. Est-ce que ça va, Alex? Quoi? Est-ce que ça va, chérie? Ah oui, ça va, t'inquiète pas, maman. Je suis content que vous soyez venu me voir. Je devine à peine la solitude que tu dois ressentir à l'heure actuelle. Tu dois te dire qu'on n'est plus à l'abri dans ce monde. Il faut être très courageux pour vivre des événements de ce genre. Mais je tiens à ce que tu saches que tu pourras toujours compter sur moi, Carrie. Il faut que tu saches aussi, par contre, que ce sera assez brutal. Mais je veux que tu te souviennes qu'indépendamment des ennuis que nous rencontrerons, je serai dans ton camp. Comment c'est de témoigner en cours? C'est une sorte de conversation. Je te pose une question, tu réponds. Pas de semblant ni de discours par cœur, ce n'est que toi qui parles à ta façon.
Je crois qu'on devrait parler de... Alex Kelly. Il sera en prison combien de temps? Jusqu'au jour des audiences? Non. Une semaine maximum. J'ai quand même demandé une caution très élevée. Ce qui peut retarder sa sortie. $500,000? Pourquoi tant que ça? Bah, avec les incidents de l'année dernière, ta désintoxication, bah, on a guère de latitude, Alex. Écoutez, je suis vraiment navré pour tout ça. Après les histoires de l'an dernier, je pensais que le pire était passé, voilà autre chose. Chérie, nous savons que tu as des circonstances atténuantes. Chris a beaucoup retenu notre attention et je... Je sais que je suis aussi responsable, Alex. J'ai peur surtout qu'il se serve de mon passé contre moi. Ah, chérie, aucun d'entre eux ne te connaît autant que nous. La vérité va l'emporter, tu peux me croire. Et si tout le monde croit ses filles? Si j'arrive pas à sortir de tout ça... Mais tu t'en sortiras, Alex. Je te jure, mon gars. On a engagé le meilleur des avocats qui soit dans cet état. Mickey Sherman. Il est doué. Et selon vous, quelles sont nos chances? Eh bien, nous avons deux victimes avec le même récit. Alors, si le juge décide de joindre les causes, je dirais qu'elles sont excellentes. Nous allons nous en sortir. Je vous aime. Je t'aime aussi, chérie. Je vais lui parler. À l'autre fille. Je ne peux permettre cela, je suis désolé. Pourquoi? Parce que Mickey dira que vous avez accordé vos histoires afin de vous entendre sur les détails. Tu vas devoir te fier à moi à ce sujet. Ça n'a rien à voir avec mon histoire ou la sienne. Je veux lui faire mes excuses, c'est tout. Tu veux que je te dise un secret? J'aurais pu faire arrêter Alex il y a déjà quelques jours. À la lecture de ta déposition à la police, je n'aurais eu qu'à faire saisir la G. Et le faire arrêter. J'ai pas osé. Et comme toi, j'ai attendu. Donc, soit on continue tous les deux à s'en vouloir, ou alors, on le fait enfermer. Tous les deux. Allô? Oui, je pourrais parler à... Carrie, s'il vous plaît. Je vais voir si elle est libre de la part de qui. C'est Alex Kelly, je suis pressé. Alors toi, écoute bien. Je t'interdis de téléphoner ici, est-ce que c'est compris? C'était lui, hein? Chérie, tu n'as rien à craindre. Je sais qu'il va me tuer. C'est ce qu'il avait dit. Carrie, il n'en fera rien. Il est incarcéré. Jusqu'à ce qu'on le relâche! Je vous suis très reconnaissant, Monsieur Sherman. C'est Mickey. Et ce sont tes parents qui ont hypothéqué la maison, c'est pas moi. Je n'arrive toujours pas à croire tout ça. J'ai juste hâte de reprendre l'école et que tout redevienne normal. Quoi? Oui, pour ce qui est de l'école, ils préfèrent que tu continues d'étudier à la maison. Ils te procureront un tuteur jusqu'à ce que les choses se soient calmées un peu. Mais je vais avoir l'air coupable en faisant ça, non? Ça ne sera pas pour longtemps, Alex. Bonjour. Bonjour. Tu vas à l'école aujourd'hui? Non. Mon premier cours, c'est une interro de maths. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, Ashley. Est-ce que tu... Bonne journée, alors. Chérie, dépêche-toi, on va être en retard chez le docteur Alonso. Maman, où est garée la voiture?
Devant la maison? Est-ce que tu peux la rentrer dans le garage? Oh, Carrie! Elle est juste devant l'entrée, dehors! Maman, il vit juste à côté d'ici, tu le sais, non? Déplace-la, je t'en prie. C'est drôle, tout ça me rappelle quand on était jeunes, tu sais. On restait à la maison les jours de neige. Ouais. C'est du lait qu'on buvait dans ce temps-là, non? Ouais. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Tu sais, j'aurais jamais cru que ça me manquerait d'avoir 7 ans. Ouais. C'était bien cette époque-là. Dans ce temps-là, au moins, on nous laissait tranquilles. Salut. Tu veux entrer? Alex, tu devras aller voir le match tout seul. Ah oui? Écoute, on doit arrêter de se voir. Et qu'est-ce qu'il y a? Mes parents veulent que j'arrête de te fréquenter, je te demande pardon. Erika, attends une seconde. Erika! Erika! T'en fais une tête. Je crois qu'Erika vient juste de me laisser tomber. Quoi, maintenant, là? Ouais, je m'y attendais un peu. Alors, tu vas au match de basket ce soir? J'en sais rien, je sais pas si je devrais me montrer. Alors, où tu veux t'asseoir, patron? Je n'ai aucun droit de l'empêcher de venir voir un match de basketball. Mais enfin, vous n'allez pas le laisser revenir à l'école? En fait, nous n'avons pris aucune décision. Ma sœur reste tous les jours cloîtrée à la maison à cause de ce qu'il lui a fait. Vous n'avez pris aucune décision. Alex, Alex, Alex. Salut. Qui a gagné? Très bonne question. Tu sais pas? Est-ce que t'as une seconde? Ouais. On s'est éloignés, toi et moi, comme des étrangères. On dirait que tu ne veux plus du tout me parler. Non, Ashley. C'est seulement que je vis des choses très dures. Tu n'as rien à y voir. Tu en es sûre? J'ai peur. Oui, parce que cette nuit-là... Je t'ai laissé sortir toute seule et j'aurais pas dû. Ashley... Non, c'est vrai. Tu sais, j'y pense sans arrêt. J'ai peur que tu sois fâchée contre moi de t'avoir laissé sortir toute seule. Oh, Carrie, je m'en veux tellement. Oui, et puis il y a autre chose. Carrie, ça me tue de te voir enfermée ici toute la journée alors qu'Alex Kelly n'hésite pas à sortir. Tu l'as vu, dis-moi. Il était au match. Il ne m'a pas vu, lui. Je suis sortie tout de suite. Mais il faut que tu sortes, Carrie. Il faut pas que tu le laisses gâcher ta vie.
Vite, Ashley, on est en retard, allons-y. Je me dépêche. Marc, tu te souviens que j'ai une réunion cet après-midi? Non, je ne veux pas des chats. J'ai décidé d'aller à l'école aujourd'hui. Je vois pas pourquoi il m'envoie mon diplôme au mois de mars. J'ai même pas passé d'examen. Eh bien, ils te l'ont accordé d'office, on dirait. Ta moyenne était suffisante, à ce qu'ils disent. Mais j'aurais aimé aller à l'école. Cela t'est défendu, Alex. Par contre, ils vont laisser des élèves et leurs parents répandre de fausses accusations et des rumeurs à ton sujet. Je trouve que leurs méthodes sont abusives. Et il est hors de question qu'on accepte ça. Salut, maman. Karine, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai paniqué, pardon. C'est passé. Ce n'est rien. C'est rien. Au revoir, les filles. Salut. Tiens, bonjour. Je te parie qu'il va pleuvoir. Ouais, dis donc, qu'est-ce qui t'arrive, on te voit plus? Ouais, j'ai été assez pris. Écoute, Scott, il faudrait que tu m'aides. Il se pourrait qu'un détective veuille t'interroger. Je voudrais que tu lui expliques que cette nuit-là, j'ai pas accompagné Gary. Et que je suis resté à la partie. Non, là, t'exagères, Alex. Ah non, mais attends, non, je suis désolé, d'accord, je peux pas. Enfin, c'est pas... J'ai dit, déshabille-toi. Ce sera pas trop dur si tu fais comme je te dis. Essayez encore de m'assassiner. Je me réveille avant qu'il me tue, chaque fois. Je sais que pour toi, ça doit être dur à croire, chérie, mais un jour, tout cela sera loin derrière. Je te le promets. On dirait que c'est une nuit qui refuse de s'arrêter. J'entends sa voix. Je vois son visage. Il est là et je n'arrive pas à lui échapper. Et tout le monde est au courant, d'ailleurs. Non. Non, loin de là. En fait, très peu de gens le savent. Je te jure que nous faisons tout pour que cela demeure ainsi. Il y a quelque chose que je puisse faire. Si tu veux qu'on cause. Tu sais, jamais j'ai été autant... en colère. Une colère que je ne savais pas qu'on pouvait ressentir. Une colère qui fait peur. Faut pas la craindre. Vois ça comme une chose plutôt saine. Comme une sorte de riposte. D'accord. J'espère que malgré ça, tu arriveras à dormir. Je crois que ça ira, oui. Scott ne veut rien dire du tout parce qu'il a la trouille. Aucun de mes amis veut se mouiller. Allô? Non, je n'ai aucune déclaration pour vous. Et ne téléphonez plus ici, c'est clair? Saloperie de journaliste. Est-ce que tu as rejoint tous les autres jeunes qui étaient à cette partie? Je te l'ai dit, maman. Il n'y en a pas un qui veut causer. Ils s'en vont quand j'apparais. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est dans ces temps-là qu'on voit les amis qu'on a.
C'est vous le détective, non? Faut trouver quelque chose. Il faudrait que je leur reparle. Il faut que je trouve un témoin qui dira avoir vu Carrie s'en aller dans la voiture d'un autre. Ainsi qu'Alex le soutient. Ben alors, trouvez-le! Et frappez à toutes les portes s'il le faut. Ne réponds pas, Mélanie. Je refuse de laisser mon fils être pris pour cible dans cette chasse aux sorcières. Il y a sûrement quelqu'un qui parlera. C'est fou le bien que ça nous fait de sortir. Merci. C'était quand la dernière fois? C'est trop loin, je m'en rappelle plus. Merci. Ça fait deux fois de suite que les Morrison se désistent de notre brunch au dernier moment. Et à se demander pourquoi. Il y en a même qui pointent acheter du doigt, croyant que c'était elle. Je te jure. Oh mon Dieu. Oh Marc, regarde qui est là. C'est pas ce qu'ils ressentent. Hélène, où est la feuille avec les dates du procès, là? Merci. Début des audiences, le 18 février, ça nous donne 6 mois. Et on entendra conjointement les deux causes? Ça, je l'espère. J'attends des nouvelles à ce sujet. Cela dit, Carrie, je pense que j'en ai une qui te fera plaisir. Alex Kelly quitte la ville. Il reviendra seulement pour le procès. Où est-ce qu'il va? Au Colorado. Ça me changera sûrement les idées. Faut que je sorte un peu de tout cirque. Il y a déjà un boulot qui m'attend dans un restaurant. Ouais. Alex Sherman est un excellent avocat. Et je suis sûr qu'il pourra te sortir de tout ça. Ouais, enfin, s'il est si doué que ça, il fera en sorte que chaque affaire ait son procès. Sinon, je suis foutu, tu peux être sûr. Si je suis condamné... Alex, ça c'est hors de question. Non, parce que t'as rien fait que je sache. Je suis mort de trouille, quoi. Quand j'étais en désintox à la maison de redressement, j'ai entendu des histoires sur... sur ce qui se passe en tôle. Et ça, jamais j'y survivrai. Oui, évidemment. Elle est fantastique. Merci. Du beau travail. Merci. Hein. Oh, je tiens à ce que vous sachiez que Carrie a fait la farce ainsi que la purée ce soir. Tiens, tout à coup, j'ai plus si faim que ça. Andrew. Il ne sert pas de la belle, on fait de résidence ce soir. Il n'est pas trop tard, ce petit aller. Non, c'est gentil. 2 mois de cette nourriture, c'est bien assez de tortue. Écoutez, on l'a enfin à la maison, on ne va pas le renvoyer. Non, en effet. Disons la prière. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons. Et ne nous soumettez pas. Amen. Puisse notre foi rester forte. Amen. Amen. Je reviens tout de suite. Tu veux en parler? Je t'en prie. Tu peux tout me dire. Il neigeait aussi, cette nuit-là. Devant lui au tribunal. Nous serons tous présents dans cette salle avec toi. Et c'est tous ensemble qu'on lui fera face. D'accord. Voilà, ainsi que vous le savez, le juge a décidé d'entendre conjointement les deux causes.
ce qui est loin de faire notre affaire. Alors voilà, on a le choix d'accepter un marché. L'État nous offre 15 ans ferme. C'est ridicule! Pourquoi j'irai en tôle alors que je suis totalement innocent? Les dés sont pipés, on s'acharne depuis le début contre lui. Notre soi-disant système, en fin de compte, est défectueux. Mickey, dites-moi en toute franchise, quelles sont les chances d'Alex? Eh bien, en toute franchise, elles sont minces. Qu'il devrait être là. Pourquoi il serait venu sans Alex ? Il viendra peut-être plus tard. Alors, monsieur Sherman, a-t-on ne serait-ce qu'une idée de quand votre client sera parmi nous? Toutes mes excuses, votre honneur, je viens de discuter avec ses parents qui sont sans nouvelles de lui depuis maintenant déjà plusieurs jours. J'oserais avancer qu'il ne se présentera pas parce qu'il est terrorisé. La cour est ajournée. On dirait qu'il a décidé de se planquer. Et ses parents n'ont aucune idée d'où il se trouve. Désolé. J'arrive pas à le croire. Votre jus d'orange, monsieur. Merci. Quand est-ce qu'on arrive à Bruxelles? Dans une heure. D'avoir violé deux jeunes femmes dans le Connecticut. Libéré sous caution, il a omis de se présenter à son procès et a disparu sans laisser de traces. Alex Kelly échappe depuis maintenant 2 ans tant aux autorités locales que fédérales. Il aurait été vu aussi loin qu'en Allemagne et plus récemment, plus près de chez lui, à Boston. Les agents du salut, Carrie. Il y a un excellent séminaire sur la communication jeudi soir et j'aurai... Salut, Carrie. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit à la télévision qu'Alex était ici, à Boston. Est-ce que c'est vrai? Non, non. Il y a plusieurs dizaines de rumeurs. Le FBI examine chacune d'elles et pas une ne prouve qu'Alex soit présent dans la région. Je t'aurais appelé. Tu peux être sûr. Je voudrais que ce soit toi qui me dis ces choses-là, Bruce. J'aime pas devoir les apprendre à la télévision. Carrie, calme-toi, écoute. Que je me calme? Tu sais ce que j'ai réalisé, Bruce. Il faut qu'il me tue maintenant parce que c'est la seule solution qu'il a pour s'en sortir. Carrie, il sortira jamais de tout ça. Pour lui, il est trop tard. Et là, il sait très bien que s'en prendre à toi serait la pire des choses. Écoute, laisse-moi m'occuper d'Alex. Toi, tu as beaucoup mieux à faire. Et tâche de ne pas gaspiller ton énergie dans tout ça. Ça ne te donne rien de plus. Et à la fin, tu vas y perdre, indépendamment de la sentence. Alex? Alex Kelly? Salut! Salut, c'est Blair. Collège Chester Arthur 85, tu te rappelles pas? Désolé, on ne se connaît pas. Toi, je te jure que t'es marrant. C'est toi, j'en suis sûr. Un copain m'avait dit qu'il t'avait vu, je crois que c'était en Irlande, non?
Laissez-moi tranquille, d'accord? Alex! Mais qu'il aille se faire foutre. Alex! Allez, je te fais une... Mais ce qu'il est grand. Oh, pardon, monsieur. Je peux peut-être t'aider? Ah, c'est gentil. Oh, c'est rien. Est-ce que c'est toi? Et qui joue dans la pièce de théâtre? Oh, non, non, je ne suis que la régisseuse. Oh! Mais c'est très bon, tu devrais aller la voir. Me présenter ainsi, je crois que je vais y aller. Au fait, moi c'est Craig. Et moi, Carrie. Carrie, ça me fait très plaisir. Heureuse de te connaître. Allez, debout. Debout. Oh. J'ai eu une nuit difficile. Pardon? C'est bon, j'y allais. Vos papiers? Non, non, je m'en vais. Votre passeport? Ah, attendez. Oui, oui. Non, il est... Il est ici. Il y a pas mal de temps que vous êtes ici. Ouais, ouais, justement, je repars aux États-Unis bientôt. D'accord. Monsieur? Un jeune Américain qui traite... Madame Kelly? Monsieur Brown, ces visites du bureau d'investigation commencent à sentir le harcèlement. Oh, je comprends très bien votre douleur, Madame Kelly. Mais vous ne l'aidez pas en laissant se promener en liberté comme ça. Nous le retrouverons avec un peu de temps. Non, mais croyez ce que vous voudrez, Brown. Nous ignorons où est Alex. Est-ce que l'un d'entre vous est au courant des lois se rapportant à l'assistance et à la complicité envers les fugitifs? Ben, je vous conseille de vous renseigner un peu alors. Tu te rends compte qu'on s'est vu presque tous les jours cette semaine? Est-ce que je me fais des idées ou il se passe quelque chose, là? Non, je crois que tu te fais vraiment des idées. Oh, très drôle. Ça a été une très belle semaine. J'aime mieux ça. Parce que j'ai des places pour aller voir les Celtics demain soir et je me disais que peut-être tu voudrais y aller. Vu que t'aimes le basketball et tout. J'ai dit une ânerie. Craig, il y a quelque chose de mon passé que je dois te dire. Il y a 5 ans, j'ai été violée par un gars. Ça a été plutôt horrible. Ce gars-là a dit qu'il me tuerait et on ignore où il est. Carrie... C'est tout un fardeau à porter. Et si tu veux qu'on en reste là tous les deux, ce sera sans rancune. Carrie, si tu t'en sens prête, nous pourrions porter ce fardeau à deux. Est-ce que tu es sérieux? Tout ce que je souhaite, c'est que tu m'accordes la chance de te connaître encore mieux. Monsieur Kelly, téléphone. Allô, maman? Comment vas-tu? Je suis content d'entendre ta voix. Tout va bien, je suis avec Anna. Chérie, j'ai une nouvelle qui est pas bonne du tout. Maman, j'entends... Chris est décédé. Quoi? Il a fait une overdose de ses médicaments antidouleurs. Non.
Je m'en veux de devoir te l'annoncer ainsi, chérie. Je devrais être à la maison avec papa et toi. Alex, je veux que tu fasses très attention à toi. D'accord? Ne prends aucun risque inutile. Je t'aime, mon Alex. Moi aussi, maman. Alex, qu'est-ce que c'est? Mon frère vient de mourir. Ah non. C'était le meilleur ami que j'avais sur Terre. Un vrai rebelle et un battant. Il s'est planté avec sa moto. Les médecins lui ont dit qu'il ne marcherait plus jamais. Alors il s'est inscrit dans une école avec suivi thérapeutique. Et le jour de la remise des diplômes, ben, il y avait ce terrain énorme qu'il a dû franchir en boitant pour aller le chercher. Tout le monde s'est levé pour l'applaudir. Maintenant, il est parti sans dire un mot. Peut-être que si j'avais été là... Vas-tu rentrer à la maison? Je peux pas. Mais pour toi, c'est très dur. Là, je dois dire que je suis fatigué. Ouais, j'en ai marre d'avoir peur tout le temps. Alex, avec toi, je suis vraiment heureuse. En Suède, tu pourrais refaire ta vie. Trouver la paix. Et peut-être le bonheur. J'ai des nouvelles très encourageantes. Le FBI vient de recevoir la déposition d'un gars qui dit avoir vu Alex Kelly en Europe. Le juge pourrait autoriser une perquisition chez les Kelly. Autrement dit, on va l'avoir, ce gars-là, Carrie. Ah, ce serait bien, oui. Dis, t'abandonne pas maintenant. Je crois que je voudrais seulement que toute cette histoire soit derrière moi. Bon, ben écoute, je ne te dérangerai plus tant que je n'aurai rien de bien concret. Ça te va? Ouais, donc quand tout sera fini et qu'il sera en tôle. Ouais. Et chère maman, cher papa, une routine tranquille s'est installée dans notre vie. Anna et moi passons nos hivers dans les Alpes et nos étés à donner un coup de main à sa famille, en Suède. J'ai peine à croire que Chris soit mort depuis déjà 2 ans. Il me manque encore tellement. J'espère que vous pourrez venir faire un tour cet hiver, j'aimerais tellement vous revoir. En attendant, si vous pouviez m'envoyer un petit quelque chose par la poste, je suis fauché. Enfin, 1994 devrait être une bonne année. Nous retournons en France la semaine prochaine faire du ski et de l'escalade de glace. Parfois, je pense que je pourrais finir mes jours comme ça. Monsieur Kelly, je viens d'avoir un mandat de perquisition délivré par la cour. Veuillez nous laisser entrer. Allez les gars, au boulot. Johnson, Moffett, vous me faites l'étage. Porkovitz, je te mets dans l'étude. Andy, viens avec moi. Tu prends le salon, tu vérifies tout. Vous deux, vous faites cette salle-là, ne laissez rien au hasard. Jerry, Nicole, vous prenez le bureau, ouais, par là. Et prenez votre temps, fouillez partout. Ouais, bon, ce côté-là, allez. Vous me retournez tout ce que vous trouvez. Allez, sortez tout, on va sûrement trouver quelque chose. Shérif, assurez-vous que la famille Kelly soit bien à l'aise dans le salon tropical. Enfin, lâchez-moi! Je l'ai trouvé moins en forme. Oh non, au contraire, moi... Champagne! Mais où est mon martini? Papa,
Oui, on a quelque chose à vous annoncer. On s'est fiancés tous les deux. Oh, je le savais. Oh, ça, alors, félicitations. Oh, chérie, laisse-moi te... Oh, chérie, tu n'as pas idée à quel point ça me fait plaisir. Tiens, passe-moi les relevés téléphoniques. Ouais. Venez, jetez un coup d'œil. Ouais. On dirait que votre chance vient de tourner, tous les deux. Considérant que vous ignoriez où il était. Qu'avons-nous ici? Eh, rejoins nos petits collègues, l'Interpol, un bled du nom de Claddes Holmen, en Suède. Ouais, d'accord. Entendu. C'est rien de grave? Non, c'était Bruce Hudock. Selon lui, on s'apprête à arrêter Alex Kelly. Ah, excellente nouvelle. Enfin, je crois, Clary. Je suis pas certaine. We hired an Hankins order for Alex Kelly. Tu vas recevoir un tahar. Have you come in? On a toute la vie devant nous, ça peut attendre. Allez, viens. Bonjour, Ray Marcassi. Bonjour, merci de vous être déplacé. Je croyais que ce serait Monsieur Sherman. Oui, vos parents ont décidé d'aborder la chose avec une nouvelle approche. Venez, on va discuter. Alors, Alex, pourquoi maintenant? Oh, je suis juste fatigué de me cacher. Fatigué de toujours devoir garder par-dessus mon épaule. Sans parler que mon passeport sera bientôt plus valide. Mais c'est plus que ça. Je n'ai vu mes parents qu'à 3 reprises en 8 ans. Mon jeune frère est mort. Je n'ai nulle part où aller. Je présume que vous avez eu suffisamment de temps de penser à cette cause. Oui, j'ai couché avec ces 2 filles. Je l'admets, ouais. Mais je ne les ai pas violées. Et si je me suis enfui, c'était parce que je craignais que le procès soit déloyal. Les relations sexuelles étaient consenties. Alex, j'ai étudié vos dépositions et... je suis persuadé que vous aurez un procès équitable. Et je suis là pour trouver une façon de vous rapatrier au plus vite chez vous. Dites, je voudrais savoir mes parents. Non, il n'y aura pas de poursuite. Le mandat de fouille des agents fédéraux a été obtenu suite à un vice de procédure. Dans ce cas, allons-y, on est bien que chez soi. Alex, répondez-moi. Poussez-vous, laissez-nous passer, laissez passer, enfin, laissez-nous passer, c'est incroyable. Allons-y, poussez-vous. Ne dis rien, d'accord? Tu n'as rien à leur dire. D'accord, ça suffit maintenant, plus de questions, merci beaucoup. Enlevez cette caméra. Écoutez, ces 2 femmes qui accusent Alex Kelly sont des menteuses. Il n'y a aucune victime ici, puisqu'aucun crime n'a été commis. Mon client est innocent de toutes ces accusations. L'État requiert que la caution de M. Kelly soit fixée à 2 millions de dollars, puisque rien ne nous promet qu'il daignera se présenter le jour où nous commencerons à choisir les jurés. Ainsi que votre honneur le sait, notre constitution dicte qu'une caution ne soit pas élevée au point de garder un accusé en prison en attendant l'audience. Nous suggérons une caution de 100 000 dollars.
Monsieur Kelly, je trouve que vous représentez un risque assez élevé, donc je fixe votre caution au montant de 1 million de dollars. J'imposerai également, advenant que vous réussissiez à produire une telle somme, que vous portiez sur vous un radioémetteur et que vous respectiez un couvre-feu nocturne. Et on a reçu 4 ensembles de serviettes initialement. Oh, non. Quand ce sera mon tour, ce sera spécifié. Une paire de serviettes. Je vais gagner, franchement, les gars, il y a sans doute autre chose à voir que le football. Oh non, s'il te plaît, il s'agit du plus grand match de la saison. Ouais, c'est toujours les gros matchs. Oui, on a partout regardé. Hé, Carrie, il n'y en a plus. Oh, alors, il n'y a qu'à demander. Et vous l'avez fait. Ah, mais qu'est-ce que... Bon, c'est quoi encore, c'est passe-moi la télécommande, je veux revenir au match, allez. C'est faux. Et c'est pas croyable que les gens puissent faire... Il n'y a pas une chose ouais, de vraie. Je me rappelle. Pourquoi j'aurais fait ça, moi? Parce que tu détestes les femmes, peut-être? Ouais, exactement. Allez, remettez-nous le match. Carrie, ça te rappelle rien, cette histoire, à toi? Tu viens aussi du Connecticut? Non, je n'ai suivi cette affaire que de très loin, en fait. Diriez-vous alors que ces deux filles mentent? Ben, je doute surtout que ce qu'elles disent soit juste. Ah, il est innocent. Oh, c'est vrai. Je suis en présence de deux femmes qui, à 4 jours de différence, font le même récit et cependant vos convictions demeurent. Pourquoi? Écoutez, je l'aime. Et lui-même. Et nous avons une... Pauvre Clash, c'est pas vrai. Tiens, regarde-la. S'il arrive à se taper une belle Suédoise, pourquoi elle violerait des filles? Ouais, exactement, ça tient pas à leur histoire. Ce genre de conneries, hein. Je doute qu'il existe une mère qui saurait accepter que son enfant reste dans une cellule durant 15 ans tout en le sachant innocent. Alex allait laisser entrer une autre personne dans sa vie, une jeune Suédoise du nom de Anna Carlson. Le monde entier le considère comme un violeur. Mais il se trompe, car tout ça est impossible. Tous ces gens ne connaissent pas Alex Kelly. Ils ont vécu 5 ans ensemble. Les médias américains sont vraiment très différents de la presse suédoise. Ils ont réussi à me blesser. Ils ont réussi à blesser mes parents, Alex. Ils leur ont demandé ce que ça leur faisait de savoir que leur futur gendre était un violeur. C'est insupportable, tout ça, pour eux. Écoute, moi, j'étais croix, mais c'est... Anna, je ne croyais pas que ça se gâterait à ce point-là. Je suis navré. Écoute-moi, là, on vit le pire. Et quand tout ça sera fini, on se mariera Alex, et... Non. Je ne crois pas que je peux rester ici. Pardonne-moi, Alex. Carrie? Tu es là. Salut. Pardon, j'ai été coincé au bureau, réunion importante. Un beau contrat. Mouah. Oh, je meurs de faim, moi. Toi, ça va? Comment a été ta journée? Horrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient sur les grands réseaux de télévision. Qui? Alex. Et ses parents. Ils disent que j'ai menti, ces salauds. Et mes amis avaient l'air d'être dans son camp. Alors je suis restée là, à rien dire. On aurait dit qu'il était chez nous. Et durant tout ce temps-là, j'étais clouée ici, à subir ça toute seule. Carrie, écoute, on en entend parler tous les jours. Et ça va sans doute s'aggraver parce que tu tiens à garder le secret. Je comprends que ça soit pénible pour toi, mais on s'en sortira, tu verras. Craig, je sais que tu crois que ce fardeau, on est ensemble à le porter. Mais c'est une erreur. Pourquoi? Parce que tu crois tout savoir. Il y a pourtant quelque chose que tu ignores et qui est très dur à expliquer. Tu ignores ce que c'est de se sentir incomplète. Incomplète. Surtout envers toi, d'ailleurs. En tant qu'épouse. Enfin, de quoi est-ce que tu parles? Tu le sais très bien, fais pas l'autruche. Tu sais bien que ça me fait mal. Et je sais que toi aussi, tu en souffres. Il y a des choses plus importantes. Mais ça compte. Et tu es toujours d'une indulgence ahurissante. Tu supportes beaucoup plus que qui que ce soit devrait être obligé de supporter. Carrie, tous les couples ont des difficultés à résoudre. Et nous aussi, tu le sais très bien.
ne changera jamais ce qui a fait qui tu es. Et tu n'es pas incomplète. T'es la seule femme au monde avec qui je veux être. Et il faut que tu acceptes ça. Carrie, merde. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, c'est tout récent. Je fais 2 soirs semaine. Ah, j'arrive pas à le croire. Mais comment tu t'en sors? Je tiens le coup, je dirais. C'est drôle. Comment on se retrouve? Ouais. Qui l'aurait cru, hein? Ouais, c'est... bizarre, quoi. C'est la vie. Est-ce que tu comptes rester un peu? Non, désolé, je dois être rentré pour 9h. Bah, tu repasseras alors. Hein? Hé, hey, regardez, c'est pas le gars qui a violé ses deux filles. Ouais, c'est un bon. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il devrait être en tôle. Quoi? On t'a vu à la télévision l'autre soir. Ah oui, je regardais pas. T'as pas la permission de minuit? Vous croyez ce qu'elles disent? Alors, vous le croyez, oui ou non? Il est cassé. Allons jouer au billard. Hé, les filles, je vous ai posé une question. Je suis coupable ou innocent? Tentez votre chance et que la meilleure gagne. Je te jure qu'on n'a aucune envie de discuter de ça. Et pourquoi pas, on ne parle que de ça? Vous n'êtes qu'une bande d'hypocrites. Tous autant que vous êtes. Des hypocrites. Ben oui, mon frère, ça va, on se calme. Hé, je peux sortir tout seul. Ça va, j'ai dit tu me lâches! Voici où Ray Marcassi et Alex Kelly seront assis. Je serai assis ici, évidemment. Voilà bien sûr le banc des jurés. Et ça, ce sera ta place. J'aimerais que tu viennes t'asseoir là une seconde. Oh, Bruce, est-ce que c'est nécessaire? Allez, fais-moi plaisir, d'accord? J'ai apporté un exemplaire de ta déposition à la police en 1986. Étudions-la. Je crois que je sais ce que ça raconte. J'en doute pas une seconde, mais ça coûte rien de la revoir. Ça te rafraîchira la mémoire. Alors, j'ai qu'à la ramener chez moi. Est-ce que c'est correct? Carrie, ça va faire 10 ans que t'attends d'affronter Alex en cour et t'auras qu'une seule chance. Une chance contre un avocat drôlement doué. Alors, si tu hésites, il faut que tu me le dises tout de suite. Bruce, je lis les journaux comme tout le monde. Je sais que Alex s'est mis à se saouler, qu'il harcèle les femmes dans les bars. Dans sa tête, rien n'a changé. Sa cavale continue. Et malgré le fait que j'aimerais être convaincue du contraire, je doute qu'il daignera se pointer à son audience ce coup-là. Carrie? Oh, il est 9h07 déjà. Qu'est-ce qui se passe? C'est en retard. 5 minutes de retard, je risque la prison. Accroche-toi. C'est rien, c'est rien. Ce n'est rien. T'as rien à craindre.
Alors c'est presque fini. C'est presque fini. Dans ce qui promet de devenir un des procès dans une affaire de viol les plus notoires de ces 10 dernières années, Alex Kelly, qui a échappé à la justice pendant 8 ans, affrontera demain ses accusatrices, tout en faisant face à une sentence possible de 110 ans de prison. Kelly devra en outre faire face à de nouvelles accusations suite à une poursuite et un accident de voiture ayant lieu il y a quelque temps, et lors desquels il laissa sa nouvelle compagne en sang dans la rue pendant qu'il prenait la fuite. Je devrais rentrer. Erika, il faudrait que tu saches à quel point je m'en suis voulu de t'avoir laissé comme ça. Tu souffres encore? Pas trop. C'est douloureux juste quand je respire. Erika. Tu passes par des trucs très durs. Ouais, je... En fait, j'essaie tant bien que mal de tenir le coup. Je voudrais juste que la vie soit plus rose. Et si tu m'en veux, toi, je te comprends. Arrête, je t'en veux pas du tout. Je suis toujours amoureuse de toi. Et je serai avec toi demain dans mon cœur. Salut, papa. Salut. Je venais te dire... Bonne nuit, Alex. Tu te sens d'attaque pour demain? Écoute, essaie juste... Enfin, essaie de bien dormir. Bonne chance. C'est gentil. Est-ce que tu veux quelque chose? Une nouvelle vie, peut-être. On est tous plongés dans ce dossier. C'est drôle, j'étais justement en train de penser à quand tu étais un tout petit garçon. Tu as toujours été une grande joie pour moi, Alex. Tu sais que j'ai toujours ces canards de plâtre que tu m'avais fabriqués. Dans la bibliothèque. Oui, je sais bien, maman, je les ai vus. Tu te souviens de tous les costumes que tu me faisais faire dans le temps pour tes exposés? Les bédouins et le nouvel an chinois. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Souhaitons seulement que ça aura suffi. Allez. Bonne nuit. J'arrive pas à croire que ce jour soit déjà là. Ça fait 10 ans que j'attends le moment d'affronter ce type. Et là, tout ce que je ressens, c'est de la crainte. Monsieur Yudok, vous pouvez appeler votre premier témoin. La procuration appelle Carrie Warren.
Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Bonjour, Kerry. Et ensuite? Tout ce que je voyais, c'était le plafond de la voiture. Là, il s'est penché derrière moi et a réussi à débloquer le dossier arrière tout en me tenant par le cou quand même. Monsieur Marquez, ça y est, je crois. Non, attends. Ça faisait si mal. Il a dit que mes jambes n'étaient pas assez écartées. Et que je souffrirais encore plus si je lui désobéissais. J'essayais de refermer mes cuisses et lui me forçait à les ouvrir. Il y mettait tellement d'ardeur que ma tête frappait contre la porte arrière de la voiture. Je vous demande pardon. Est-ce que ça va aller, Madame Warren? Alors, qu'est-ce qu'il a fait après ça, Carrie? Il a enfin relâché ma gorge. Et il s'est réassis tranquillement. Il a dit de me revêtir. J'étais complètement engourdie dans les jambes. Alors j'ai commencé à rouler vers le côté et à chercher mes vêtements. Il a allumé la lumière et j'ai vu qu'il y avait plein de sang sur la moquette. Alors j'ai trouvé un genre de foulard pour recouvrir les traces. Et pourquoi avez-vous fait ça? Parce que je craignais que s'il voyait ça, il deviendrait encore plus dangereux. Et quel âge aviez-vous, Carrie? J'avais 16 ans. Et que disaient vos parents en ce qui concernait l'alcool, Carrie? Il nous était interdit de boire. Et donc, comme vous l'avez dit, vous aviez 16 ans. Le 10 février 86. Exact? C'est exact. Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais dans l'état du Connecticut, ce n'est pas encore l'âge légal pour boire. J'ai raison? En effet. Et donc, dans votre déposition policier, avez-vous signalé que vous étiez une participante cette soirée-là à un certain jeu? Un jeu à boire? Non. Alors, peut-être aviez-vous quelques raisons de taire ce détail? Non. Et jamais vous n'avez pensé que c'était un renseignement qu'il pourrait vouloir connaître? Non. Donc, à cette partie, ayant avalé tant de bière, j'imagine que vous étiez un peu ivre ou alors paf, je ne sais pas comment vous le dites. Objection, votre honneur. Accordé. Si j'ai bien compris votre témoignage de ce matin, alors qu'il vous retenait, vous déclarez que... Alex Kelly se serait penché derrière vous pour, je crois, réussir à débloquer le banc arrière. Oui, tout en m'étranglant, il a étiré sa main droite et puis il a débloqué le dossier de la banquette. Pour la faire disparaître? Oui, j'imagine. Mais dans les faits, est-ce que vous reconnaissez que pour replier le dossier de ce genre d'automobile, il faut avant tout le rejoindre? Objection. Et qu'il est même plus commode en sortant de l'auto. Objection. Sur un bouton et ensuite on fait descendre le dossier. Objection, votre honneur. Accordé. La défense sait très bien qu'une telle question est incongrue. Il n'est pas ici à titre d'expert. Contrôlez-vous, monsieur Marcassi. Vous avez demandé à Alex Kelly, après qu'ait eu lieu ce rapport sexuel, si de fait il avait utilisé un préservatif, c'est exact? Oui, c'est exact. Afin de déterminer si vous auriez pu tomber enceinte? Entre autres choses. Mais cela vous inquiétait-il de tomber enceinte? Oui. Mais au fait, c'est ce soir-là que vous avez su que Alex Kelly vivait une vraie relation avec une fille appelée Erika Hudson. Étiez-vous jalouse du fait que vous aviez couché avec quelqu'un qui était déjà pris et qu'il n'y aurait pas de futur dans votre relation avec ce jeune homme? J'ai été violée, monsieur. Oui, je sais, c'est ce que vous avez déclaré. Ce matin, ce n'était pas la première fois que vous relatiez votre version des faits, est-ce exact? Exact. Et la dernière fois que vous et M. Udog vous êtes vus à ce sujet, c'était quand? Samedi dernier. C'était ici même? Oui. Vous avez donc fait ce que j'appellerais une... révision de la leçon. Objection. Non, c'était... Accordé. La question sera rayée. Aucune autre question. D'accord, alors allons-y. Lieutenant, veuillez replier le dossier, je vous prie.
Avec une seule main, d'accord? Alors, est-ce que c'est possible? Je crains que non. Alors, essayez avec vos deux mains. Voilà, aucune autre question en ce qui concerne la voiture, votre honneur. La défense soutient qu'il s'agissait d'une relation sexuelle consentie. Que n'ayant jamais eu de relation sexuelle auparavant, elle a consenti de s'offrir comme ça au fond d'une camionnette. Elle aurait donc enfin dit ce qu'elle n'avait pu révéler durant 10 longues années. Voilà qui est faux. Ce qu'elle nous a dit sous serment le premier jour des audiences, elle l'avait récité Dieu sait combien de fois le week-end précédent. Tout ça n'est que show business. Donc il stoppe la Jeep. Et avec la rapidité et l'agilité que seul un champion de lutte ne saurait avoir, il est par-dessus elle. Ses doigts se resserrant sur sa gorge. Elle étouffe presque. Il oblige Carrie par la force à se placer à l'arrière de la Jeep. Vous vous rappelez de son témoignage? Sa main n'a jamais lâché mon cou. Oui, sauf que tout le monde sait que pour descendre le dossier arrière de ce véhicule, on doit utiliser deux mains. Elle aurait accepté d'avoir sa première relation sexuelle lors d'une nuit glaciale, sur des câbles et autres clés à molette à l'arrière d'une Jeep, avec un petit gars rencontré il y avait à peine quelques minutes. Est-ce que cela semble crédible à vos yeux? Et qu'elle se soit inquiétée de savoir si oui ou non il avait un préservatif, je crois que ça explique le fait qu'elle était terrorisée à l'idée que ce pourrait bien qu'elle tombe enceinte. Et que feriez-vous dans une telle situation? Vous appartenez à une tradition catholique et sévère, avec ses prohibitions et ses règles. Moi, ce que je pense, c'est que Carrie Roberts a raconté des histoires à sa famille à propos de ce qui s'était passé et que sa famille a pris le contrôle de toute l'affaire. Ce que nous avons là, c'est une jeune fille de 16 ans qui est terrorisée. On a entendu son témoignage. Rien ne dit que tous les morceaux doivent s'imbriquer à 200%, ni qu'on doit faire la preuve à 200%. Sachez que nous n'avons pas à atteindre de certitude absolue. Il n'y a eu aucun vêtement arraché durant cet événement. Lors d'un viol, les vêtements sont généralement déchirés. Et se serait-elle déshabillée si en effet il s'était agi d'un viol? L'absolue certitude, mesdames et messieurs. Sans l'absolue certitude, le doute est permis. Voilà, c'est l'heure qu'on attendait. Nous avons reçu une note de la part de votre président indiquant qu'il vous a été impossible d'atteindre une décision unanime. Est-ce là un consensus auquel chacun d'entre vous se rattache? C'est le cas, votre honneur. À la lumière de ces circonstances, la Cour se doit de déclarer le non-lieu. Oh. La Cour est ajournée. Croire que ce jury était aveugle. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Tu as fait tout ce qu'il fallait. Je n'ai rien de mieux à te dire. J'ai attendu ce moment si longtemps. 10 ans. Carrie. Si j'avais une fille, je t'avoue que je ne sais pas si je lui ferais revivre tout ça une seconde fois. Je crois que c'est dégueulasse qu'il ait réussi à se faire innocenter. Tout ça en retournant le procès contre moi. C'est une approche impopulaire, mais... ce jury a marché. C'est encore pire que d'être violée une seconde fois. Je trouve difficile à croire qu'il ne s'agissait pas d'une fabuleuse mise en scène de la part de la famille Roberts. Ça en avait tous les ingrédients. Il fallait voir cette famille fraîchement sortie de chez le coiffeur, avec leurs habits du dimanche, raides comme des piquets à la première rangée. On aurait cru qu'ils étaient heureux d'être là. Et en fait, sincèrement, je dirais que nous avions affaire à de fausses victimes. Bruce, il faudra se mettre au point. Pour notre...
notre revanche. C'est écrit clairement dans ma déclaration originale. Je l'ai dit que ces deux mains avaient quitté ma gorge une seconde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a autre chose à quoi je voudrais que tu penses. Ça a rapport à ta présentation. Quoi, ma façon de témoigner? Non. Il s'agit de ton choix de vêtements. Ça se répercute sur le jury, sur sa façon de te percevoir. Faut que je me déguise en victime. Non, n'exagérons rien. Je dis juste que tu dois éviter d'avoir l'air fraîchement débarqué d'une revue de mode, c'est tout. Mais des vêtements plus simples, peut-être. Donc ce n'est pas ce que je dis, ni ce qu'on a pu me faire. Si je suis vêtue trop classe, je n'attirerai pas de sympathie. Ce que veut voir le jury, c'est toi. Ta douleur, ce que ça t'a fait. Prends seulement le temps d'y penser. D'accord? Il va aussi revoir sa stratégie de choix des jurés. Il va jouer la carte de la famille et puis des anciens combattants. Il dit que des militaires ne respecteront pas Alex parce qu'il a fui au lieu d'affronter les choses. C'est assez judicieux, non? Si. Et aussi, vu que là je sais à quoi m'attendre, Marcassine ne sera pas aussi terrifiante que la première fois. Quoi qu'il en soit, je suis sûre qu'on va gagner ce coup-là. Carrie, et si tu gagnes pas, t'as pensé aux conséquences? Écoute, j'ai eu tort. En disant que cette histoire ne concernait que moi, t'en as autant souffert. Et indépendamment de ce qui se passera quand ce sera fini, tu m'auras tout à toi. La procuration appelle Carrie Warren. Ça fonctionne. Posez la main droite sur la Bible. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Veuillez déclarer votre nom, s'il vous plaît. Carrie Warren. Le jury en est-il parvenu à un verdict? Nous déclarons l'accusé, Alex Kelly, coupable d'agression sexuelle au premier degré. Je n'ai commis aucune agression, c'est ridicule, je suis innocent. Pourquoi on s'acharne contre moi? Alors, on a bien dormi? Oui, comme jamais. Sans aucun cauchemar. Vois-tu, Carrie, c'est fini les cauchemars.